Salut à tous, c'est Starming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo sur Farming, donc sur la série La Vieille Ferme du 60. J'espère que la vidéo vous plaira. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la vidéo. Ça me fait vraiment super plaisir et puis ça m'encourage énormément. Donc go les 550 abonnés et puis on est parti, juste après la coupe. Ok, donc là on est dans le jeu, donc là on a encore quand même beaucoup de choses à faire, donc je game avancé en off, voilà, parce que tout simplement j'ai pas fait de live, donc je suis vraiment désolé parce que voilà j'étais en moisson et je pouvais pas vraiment trop faire de live, voilà. Donc là il va falloir tout simplement ramasser les bottes, il va aussi qu'on déchaume peut-être, ouais voilà, on va déchaumer et après on va essayer de semer du maïs, voilà, donc comme ça on sera plutôt bon. Pour ça et après on finira de semer du colza, voilà. Donc hop, je vais prendre mon volant parce que ce qu'il a mis au volant, voilà. Hop, attendez, tac tac, voilà, nickel. Bon bah là il nous reste encore un petit plateau et après on est bon. Donc vraiment merci beaucoup les gars, ça fait trop plaisir. Là actuellement on est à 542 abonnés et c'est vraiment juste incroyable. Merci beaucoup les gars, ça fait trop plaisir. Puis bah, ça m'encourage énormément pour la suite, bah, des vlogs, des vidéos farming et aussi des lives. Donc peut-être mercredi à 2h, donc le jour que la vidéo sort, peut-être je vais peut-être faire un live. Ça dépend. Ça dépend la météo, si la météo est bonne ou pas. Donc si la météo s'il pleut, bon moi peut-être il y a peut-être moyen que je fasse un live, mais ah mince, c'est vrai, les buissons sont en collision, ok. C'est dommage, c'est pas grave, hop tac. Encore deux bottes par là, une botte de l'autre côté et après on est bon, voilà. Comme ça on ira tout simplement vendre ça. Donc là j'ai tout simplement séparé le champ en deux parce que sinon là, le champ était quand même il était très grand, donc c'était pas ouf quoi. Donc j'ai séparé en deux, comme ça on mettra deux cultures différentes, voilà. Bon, on va démarrer ça, on va remettre l'ouvrier, comme ça l'ouvrier il gère, voilà. Donc nous on va simplement acheter le semoir pour semer le maïs, voilà. Hop, ici planteuse. Alors moi j'ai pensé directement à prendre celui là voilà, 4 mètres de large. Après est-ce qu'il n'y a pas des autres semoirs? Il y a celui-là, mais celui-là il fait à 100 chaud. Ah bah oui, donc c'est bon. Ok, bah go prendre celui-là. Hein. Après, le problème c'est que celui-là, on le prend tout le temps. Donc c'est peut-être pas trop. Pas trop. Bon, au pire, les gars, on prend celui-là. Hein. Déjà les moins chers. Et on est parti, voilà. On prend celui-là. De toute manière, c'est pratiquement le même. Voilà. Hop, tac. Et voilà, c'est bon, c'est acheté. Hop voilà, et on va peut-être voir pour acheter peut-être un déchaumeur peut-être, parce que c'est vrai que si on prend le semoir, ouais, il faut un déchaumeur, donc hop, on va voir pour acheter un petit déchaumeur bien sympa, pas trop cher non plus sinon voilà. Est-ce que tu vas te faire peut-être. Oh mais le hors chaud, bah non. Ouais c'est vrai que les déchaumeurs, ouais, il faut quand même de la puissance hein. Donc ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Bah au pire ouais 3 mètres. Il y en a pas un de 4 mètres là. 4 mètres non, il y a pas 4 mètres. Bon, bon bah on va prendre celui-là. On va prendre celui-là les gars. Le Orch. Hop. Non, c'est pas un Orch, c'est un Kune. Ah ouais. Ok, bon c'est parti, on va aller chercher ça tout de suite. Comme ça,
on aura acheté ça, ce sera plutôt bien. C'est vrai que là, pendant les 5 vidéos, voilà, donc là il reste plus 4 vidéos, mais tout simplement pendant les 4 vidéos, on va acheter en plein de choses, voilà. Et il faut aussi qu'on ait moissonné le champ 33. J'ai totalement oublié, mais ouais, il va falloir le faire. On va prendre d'abord le déchaumeur. Voilà. Hop, c'est parti. Donc j'avais aussi dit que j'allais faire un live 6 heures dès que j'arrive aux 500 abonnés. Donc là, le live 6 heures, je vais le décaler, voilà. Il va bientôt arriver. Et tout simplement, j'ai envie de le faire... J'ai pas trop envie de le faire sur PS4, j'ai envie de le faire plutôt sur, sur le PC. Donc ça va bientôt arriver, voilà. Quand, je sais pas. Environ fin août, début septembre. Normalement, si tout va bien, je vais peut-être l'avoir. Peut-être me l'acheter, donc comme ça il y aura des lives dessus, mais voilà, on verra bien, on verra bien. Bon, c'est parti, on va faire ça. Alors on va aussi voir peut-être pour racheter un tracteur dans cette vidéo, un petit tracteur, parce que c'est vrai que niveau tracteur, on n'est pas vraiment terrible là. Il y a juste deux tracteurs, donc c'est pas ouf. Donc on va essayer de voir pour racheter un tracteur, voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme tracteur, j'ai pas vraiment regardé, mais c'est vrai qu'on va peut-être partir sur du DUT, voilà, parce que c'est vrai que vous m'avez dit la saison dernière, donc la série dernière, que vous voulez tout simplement un DUT, voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des DUT en tracteur moyen, peut-être, je sais pas. Et celui-là, mais celui-là coûte très très cher. Ah non, mais il coûte très 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 cher. Non, non, il n'y a pas de DUT. Bon, c'est pas grave, mais bah non, c'est pas grave, mince. Dommage. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Donc on va tout simplement ouais. Ouais, on va quand même falloir acheter un tracteur. Bon, on va acheter un tracteur, les gars. Et puis normalement, on va peut-être acheter un Fendt, mais peut-être un vieux Fendt. Je pense que ça peut être cool. Ou soit alors un Newland, genre ça. Ça, c'est vraiment bien. En plus, ça fait quand même beaucoup de chevaux. Ah ouais, vraiment ça, les gars, ça peut vraiment être cool, ça. Carrément. Alors, est-ce qu'on prend celui-là ou alors celui-là? Genre, en fait, c'est pareil, mais... celui-là est peut-être plus gros. Mais... non, on va prendre le Cho. Hop. Gardez-vous, c'est bon. On va prendre... oh, je sais pas du tout. On va laisser en noir d'origine. Moteur, ouais, go. Ah, parce qu'en fait, il fait que 65 chevaux. Il y a un bug de bazar. Et lui, 115. Ok, bah au pire, go. Go prendre celui-là. Hein. Il fait 115 chevaux. Ouais, on va prendre celui-là. On met, ouais, non, regardez-vous, on va pas en mettre. Ça, on va laisser comme ça, 115 chevaux. Des petites masses, pas stylé. Et voilà, on achète, les gars, 86 000 euros. C'est quand même très cher, mais là, il faut vraiment, voilà, là, les gars, faut vraiment acheter beaucoup de choses. C'est vrai que ça peut être cool. Comme ça, après, on va pouvoir prendre, oula, le bruit. Trop stylé. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez stylé, le nouveau tracteur, voilà. Mais vraiment, n'hésitez pas, à
à dire dans les commentaires quel prochain traiteur vous voulez, ou alors qu'est-ce que vous voulez que je prenne dans la série là. Vraiment, n'hésitez pas, vraiment. Je lis tous vos commentaires et puis voilà quoi. Hop, on prend ça. En espérant que c'est ça. Attendez, comment ça marche en route? Comment ça marche? C'est pas ça? Ah si, c'est l'engrais liquide quand même, non? Non, on sait pas grave, tant pis. Bon, allez, go, c'est parti. On y va. Alors, vu dans la cabine, moi je trouve stylé, ça va corps. Je pensais pire, mais non, ça va corps en fait. Hein. Ouais, bon. C'est vrai que les vieux tracteurs dans cette série là, il va vraiment en avoir beaucoup, hein, vraiment. C'est vrai que bon, j'ai pas quand même acheté 50, mais bon, peut-être 5 maximum. Bon, c'est vrai que comme ça, c'est plutôt cool comme ça. Oh le tracteur, oula. Je l'ai pas vu. Mais sinon, ouais, sinon il est vraiment stylé. Donc là, hop, je déplie. Donc le semoir il fait 4 mètres. Donc ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est vrai que 3 mètres c'est chaud quoi. C'est quand même chaud. C'est quand même plutôt long. Voilà, hop. On se met comme ça. Voilà. Tac. Donc au pire c'est pas grave, l'engrais, on verra ça pour bah, pour après. Hein. On ira prendre le. On ira prendre le. Le pulvé et puis comme ça on ira mettre de l'engrais, voilà. Comme ça on sera plutôt bon. Donc voilà, bon comme ça on est bon. Et puis comme ça on va faire ça un petit peu. Après on ira prendre le New Holland et puis on ira tout simplement prendre la benne et puis on va aller dans le champ 21. Comme ça vous allez voir la map plus dans le fond, voilà. Parce que c'est vrai que là on est quand même voilà dans un coin de la map et que là dans le fond c'est vraiment stylé. En plus c'est vallonné, donc c'est vraiment trop cool, voilà. Bon, on va mettre ça là. De toute manière l'ouvrier il va pas assez vite, voilà. Donc ah, le réservoir est vide. Ok, bon c'est pas grave, go go mettre ça sur la benne, voilà. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent savoir, je viens juste de me réveiller, donc c'est vrai que c'est un peu chaud parce que après là je vais retourner en moisson. Donc c'est vrai que là bah, j'essaie de tourner des vidéos le tout possible quoi, vraiment parce que c'est vrai que c'est quand même très 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 chaud. En plus là bah là on est mardi, donc c'est pour le lendemain, donc là faut vraiment que soit le montage soit terminé. On sait que là en ce moment c'est vraiment très chaud, c'est pour ça que voilà quoi, c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Voilà, hop, on met ça. Il va falloir vider le reste parce que je crois que là-bas c'est de l'avoine, donc c'est pas trop chaud. Est-ce qu'on va pouvoir vider là-dedans directement? Non, je pense pas. Bon, c'est pas grave, hop. Ah si, c'est bon, nickel. Voilà, bon, on vide ça. Le champ 33 il est là-bas au bout, donc de toute manière il faut passer sur la route, voilà. Et comme ça on est plutôt bon. Hop, voilà. Voilà, c'est parti, on y va. Par contre on va peut-être vite faire remettre de la semence à l'ouvrier. Ouais, à l'ouvrier là-bas. Parce que l'ouvrier il y en a plus. Voilà, moi ouais, c'est parti. Hop, voilà.
nickel. Vraiment, merci beaucoup les gars aussi, parce qu'en gros sur la vidéo farming, sur la nouvelle série, là, bah tout simplement, je crois que là actuellement elle est à 19 pouces bleus, voire 20 pouces bleus. Donc vraiment merci beaucoup les gars, vraiment continuez comme ça à mettre des pouces bleus, ça me fait trop plaisir. Et c'est vrai que c'est vraiment juste incroyable et vraiment merci beaucoup. C'est vrai que ça m'encourage énormément pour la suite, hein, vraiment encore. C'est juste incroyable. Et puis voilà. Hop. Et c'est vrai que ça peut vraiment être cool qu'on arrive au moins aux 600 abonnés fin août. Comme ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Comme ça, c'est vrai que là, on va bientôt approcher des 1000 abonnés. Voilà. Mais c'est vrai que 1000 abonnés égale live 12h. Voilà. Live qui va vraiment être fou, je pense. C'est qu'en plus, bah voilà, ça va être sur PC. La qualité sera beaucoup mieux et puis voilà quoi, ça va vraiment être bien, voilà. Et puis c'est pareil, la caméra pour me filmer, bah, en gros je préfère la mettre soit plus grand soit plus petit, je préfère vraiment tout ce que je veux. Et ça c'est plutôt cool que en fait sur PS4 on ne peut pas faire ce qu'on veut pour la caméra, on peut juste mettre dans le coin haut et c'est pas ouf quoi, dans le coin haut c'est vraiment pas ouf. Moi je veux vraiment dans le centre, genre dans le centre, genre à gauche dans le centre. Donc c'est vrai que voilà quoi, c'est vrai que c'est pas c'est vraiment, ça peut vraiment être cool quoi, c'est vraiment être cool. Bon voilà, on est parti. Ça fait déjà 16 minutes que je tourne, donc là on va faire on se retrouve tout simplement dès que je suis arrivé au champ, voilà. Bon voilà, c'est bon, on est arrivé au champ, voilà. Donc c'est juste à gauche, hop, on tourne à gauche, nickel. Donc c'est juste ici, par contre j'ai totalement oublié de fertiliser et aussi de tout simplement d'enlever les mauvaises herbes. Donc je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment dommage, mais bon c'est pas grave. Hop voilà. Ah par contre, qu'est-ce que c'est là-dedans, je crois que c'est de l'avoine. Mais par contre niveau texture, c'est juste incroyable, voilà. Alors ah non, croissance fanée. Non. Ah j'ai mis le fané. Non. Attends, dis-toi qu'on voit ça déjà. Destruction des cultures, oui. Ah non, j'ai mis oui, mince. Fanage, oui. Bon bah sans vie, c'est pas grave. Bon bah tant pis hein. Tant pis, c'est pas grave. Bon. Ouais bah on verra pour aller les chômer après ou. Voilà, dans la prochaine vidéo, voilà. Bon, on va mettre ça ici, voilà. Et puis, ouais, bah, c'est vraiment dommage. Donc, bah, ça, c'est pareil, fané aussi. Ah, mince, bon, c'est pas grave. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, les gars. On va aller semer un petit peu. Et puis, comme ça sera plutôt bon, voilà. Et puis, de toute manière, au pire, il faudrait quand genre, on loue un gros déchaumeur. Mais après, c'est chaud aussi. On verra bien les gars, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon bah go. Ah oui c'est vrai. J'avais dit que dans la deuxième vidéo, j'allais acheter des poules, voilà. Donc voilà, on va acheter des poules les gars. Comme ça on aura quoi s'occuper. Par contre apparemment il y a je crois que c'est la poule blanche ou la poule brune, on sait rien. Qui rapporte le plus. Alors par contre je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà. Parce que c'est vrai que apparemment il y a, voilà, y a une race de poule ou j'en sais rien que ça rapporte plus. Donc je sais pas. On va plutôt prendre au moins déjà quelques petits poules. Hop. Voilà, on a assez comme ça. Hop, confirmé, voilà. Comme ça on est plutôt bon, voilà. Comme ça on a des poules et puis comme ça au pire je vous attends dans les commentaires pour me dire quelle est la couleur de poule qui rapporte le plus.
Et comme ça, tout simplement, on verra pour tout simplement en racheter, voilà. Voilà, comme ça. Comme ça, dans cette vidéo, il y aura l'arrivée des poules. On va tout de suite prendre du blé, voilà. Et puis, on va aller déjà dans... Non, ou pas, ça passe vraiment juste, hein. Ça passe tout juste ici. Hop, blé un petit peu. Ouais, on a assez, hein. Voilà, c'est bon. Nickel. Bon, allez, go. Non, vraiment, n'hésitez pas aussi à me dire, voilà, si vous trouvez la ferme stylée ou pas. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est vrai que c'est... Ça peut être cool, quoi. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que ça va vraiment nous faire un petit revenu. Donc, les œufs, voilà. Je pense que ça peut vraiment être bien. Voilà, hop, c'est bon. C'est donné à manger. Voilà, nickel. Comme ça, on va mettre ça là-dedans. Hop, tac. Voilà, c'est bon. Et puis, voilà, bon, go, on va resumer. Comme ça, on aura acheté les poules. Ça, c'est plutôt cool. Et puis comme ça, on va continuer de semer un peu, voilà. On va pas semer beaucoup parce que c'est vrai que sinon, c'est un petit peu long pour vous. Mais on finira tout simplement ça en live, voilà. Alors vraiment en espérant que j'ai le temps de faire un live le mercredi. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu chaud, quoi. C'est vrai qu'en ce moment, là... Donc par contre, c'est pareil, niveau vlog, bon bah... j'ai pas tourné les vlogs, voilà. Il y a vraiment, bah, en fait, il y avait de la moisson. Donc là, aujourd'hui, le mardi, la moisson sera terminée normalement, j'espère. Voilà. Et puis, c'est vrai que bah, j'ai pas envie de faire encore un vlog moisson. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Il y aura peut-être normalement un vlog ramassage de paille. Voilà, et puis après, bah, sumicolza tout. Je pense que ça peut, voilà, ça peut être cool. Donc vraiment, ça va vraiment être chaud entre tourner et faire le montage pour samedi. Je pense que c'est quasiment presque impossible. Voilà, ça va vraiment être chaud. Parce que là, on est quand même mardi. Donc, je sais pas. Vraiment, je sais pas du tout. Donc vraiment, vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à me suivre, voilà, à me suivre sur, Instagram, voilà, Insta, TikTok. C'est vrai que c'est vraiment... Puis Snap aussi, vraiment, n'hésitez pas ceux qui veulent m'envoyer des messages et tout. Voilà, c'est vraiment... c'est vrai que je réponds plus facilement les messages sur, sur Instagram. Mais bon, après, si vous êtes sur Snap, je vais quand même répondre toujours autant. Voilà. Bah en fait, ça va encore, hein. En fait, on roule quand même à 15 km/h. Ça va plutôt bien. C'est vrai que ce qui est bien, c'est que l'ouvrier il a pris quand même beaucoup d'avance sur nous. Et ça, c'est plutôt cool. Comme ça, je peux rouler plus vite. Et puis, comme ça, c'est plutôt bien. Après, c'est pareil. Je pense, normalement, si tout se passe bien, 2022, voilà. Peut-être du roleplay, voilà. Je pense que ça peut vraiment être cool. Je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui adorent ça, vraiment. Donc il y aura peut-être moyen qu'il y ait peut-être du replay sur la chaîne, voilà. Donc je pense que ça peut être cool. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires est-ce que vous trouvez stylé ou pas du roleplay par la suite. C'est vrai que sur console du roleplay c'est impossible. Mais sur PC ça peut vraiment être cool, quoi. Donc voilà. Donc là j'y pense pour vous. Pour vous ça fait trop de choses à marquer en commentaire, mais bon, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas. Mais vraiment merci beaucoup, vraiment tous les commentaires que je reçois c'est juste incroyable, merci beaucoup les gars, ça fait trop plaisir. Mais c'est vrai que continuer comme ça, et puis c'est vrai que dans le best of qui va arriver dans le mois de décembre, voilà, tous ceux qui marquent des commentaires, pardon, vont être en BSF, quoi, voilà. Donc je pense que ça peut être cool pour le best of. Je voudrais faire un truc vraiment super stylé, super sympa. Donc puis tout simplement, oui, dans le best of vous allez carrément rigoler, parce que c'est vrai que
pendant les vlogs je me rate vraiment beaucoup, donc c'est vrai que vous allez vraiment rigoler à mort. Donc voilà. Bon, bah, je pense que c'est bon. On va mettre l'ouvrier. Et puis voilà quoi. Hein. Je pense qu'on sera bon pour cette vidéo. Voilà. Ça fait déjà 26 minutes que je tourne. C'est juste incroyable. Voilà. Donc voilà. Bon bah voilà. Après, je pense que c'est plutôt bon. Peut-être vite fait décorer un petit peu la ferme. Voilà. C'est vrai que déjà ça, j'ai déjà fait ça. Voilà. Que je trouve stylé. Parce qu'à la base je voulais faire un chemin, mais après je me suis dit non, c'est pas grave. Voilà. Bon, après moi je pensais aussi mettre des arbres ici, mais après je dis si on a besoin de mettre des bâtiments, bah après voilà, faut mettre des bâtiments. Mais bon, après je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais mettre dans la ferme. Mais voilà, mais là je trouve déjà ouais, la ferme elle est quand même plutôt stylée. Et puis bah déjà voilà, on a quand même acheté du matos, voilà. Alors, un smart, un tracteur et aussi un déchaumeur, voilà, c'est juste incroyable vraiment, c'est trop bien. Et puis voilà. Donc vraiment n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Et n'hésitez pas aussi à dire à vos potes, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à fond. Dites à vos potes, voilà, abonne-toi, machin. Comme ça on arrive plus vite voilà en nombre d'abonnés, et comme ça il y a beaucoup de choses qui sont prévues sur la chaîne, voilà. Mais tout simplement là, c'est que pour l'instant j'ai envie de me consacrer quand même beaucoup plus sur les vlogs, voilà. Juillet août ça sera vraiment des vlogs, donc c'est vrai que tous les ans en juillet août il y aura vraiment pratiquement que des vlogs. Et puis après l'hiver, bien évidemment cet hiver ça va être juste incroyable, il va y avoir énormément de lives, voilà. Et puis bah, des lives de qualité bien évidemment. Et puis voilà. Et puis bah, c'est pareil, après Noël qui va venir, et puis tout ça, voilà, ça va être juste incroyable, voilà. Bon, je vous laisse les gars, merci à tous d'avoir resté jusqu'à la fin. Et puis bah les gars, n'hésitez pas à marquer 100 dans les commentaires si vous avez resté jusqu'à la fin. C'est vrai que comme ça bah, je vois ceux qui restent jusqu'à la fin, voilà. Et puis voilà. Donc voilà, c'était Starming. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. C'est vraiment super plaisir. Go les 15 pouces bleus. Voire les 20. Allez, 20 pouces bleus. Voilà. Et puis on se retrouve peut-être en live cet après-midi. Et puis c'était Starming. Allez, ciao les gars.